correction d'un exercice qui se trouve sur le site copmat.fr, où on me demande de calculer et de donner le résultat sous forme d'une fraction irréductible de moins 3 sur moins 5 divisé par 8 neuvièmes. La première chose à observer est qu'on travaille avec des nombres en écriture fractionnaire, moins 3 sur moins 5 et 8 neuvièmes, et que l'opération entre les deux fractions est une division. Vous devez connaître votre cours qui dit que diviser par un nombre en écriture fractionnaire revient à multiplier par son inverse. Ici, on divise par 8 neuvièmes, et donc diviser par 8 neuvièmes va revenir à multiplier par l'inverse de 8 neuvièmes, soit 9 huitièmes. Diviser par un nombre, c'est pareil que multiplier par son inverse, et le premier nombre n'intervient pas dans la règle. Il suffit donc ensuite d'effectuer ce produit. On sait que pour multiplier deux fractions, on multiplie numérateur entre eux et dénominateur entre eux. Au numérateur, cela va donc faire moins 3 fois 9, et au dénominateur, moins 5 multiplié par 8. On cherche à voir si on peut simplifier cette fraction. Il n'y a pas de facteur commun au numérateur et au dénominateur. On va donc pouvoir gérer maintenant le signe de cette fraction. Il y a 1, 2 signes négatifs. D'après la règle des signes, on sait que lorsqu'il y a deux facteurs négatifs, eh bien le produit est positif. Le calcul est donc égal à 3 fois 9 sur 5 fois 8. Et ce calcul-là me donne en résultat final 27 quarantièmes. Retrouvez d'autres exercices équivalents à celui-ci générés aléatoirement avec leur correction sur le site copmat.fr. Bon courage.